Le moment venu, je pense que ça sera pas si facile. Du moment que vous nous les ramenez. J'espère que le temps sera meilleur parce que vu les conditions d'entraînement là. Pas de problème, qu'ils partent et qu'ils profitent. Vers Istanbul et tous ensemble, wow, d'accord. Et ben, ça, c'est une force, on est là parce qu'on est 25 et on en aura besoin tous les jours de cette force. Hein. Allez, vers Istanbul, tous ensemble, tous ensemble. C'était super, il y avait le beau temps en plus. Il faisait chaud, on n'avait pas froid pour une fois, pas de neige. Ouais, donc ce soir on fait un travail un petit peu particulier. On prépare les exposés que les cyclistes, élèves cyclistes, vont présenter au cours du périple. Parce que ce serait évidemment dommage de passer dans tous ces pays sans s'ouvrir, ouvrir les yeux et aussi avoir un petit regard culturel. Certains groupes vont présenter les pays eux-mêmes avec les traditions et tout ce qui s'ensuit. D'autres ont des sujets plus originaux comme présentation de l'histoire du vélo, le cours du Danube aussi. Et je pense aussi que c'est assez formateur pour eux de voir un petit peu tous les soirs comment exposer ce qu'ils ont vu. Disons que cette approche un petit peu plus intellectuelle ou avec un peu plus de recul sur les choses double également la découverte qu'ils vont faire de façon tout à fait directe. Bah, j'ai passé une bonne nuit, sauf qu'il a fait super chaud et en même temps froid parce qu'on a ouvert les fenêtres. Et là, on est reparti pour 200 km.
rejoint le groupe ce matin là et on a roulé en fait toute la matinée là et on va rouler cet après-midi encore. On a fait quelques montées en forêt, on a pris la route des vins. Il y a un bouton rouge pour les cyclistes. Mais de toute façon là c'est pour avoir le rouge. Alors, voilà. Tu vas où? En plus j'allais faire la même chose, oh, vous me cassez toute ma vanne. Pour le raid, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip.